Alpha Bakar, le vice-président de la délégation spéciale de Tombolia, au nom de monsieur le maire Mundiou Chérif en déplacement. Nous remercions très infiniment la population guinéenne de façon générale, particulièrement la population de Conakry, de cette mobilisation, forte mobilisation, mobilisation exceptionnelle en faveur du général Mamadi Doumbouya. Nous voulons à ce qu'il a signé en Chine en faveur de la population guinéenne que cela sera réalisé à son temps, quel que soit le temps qu'il fera pour que les projets qu'il a signés soient mis en œuvre. Nous souhaitons que cela, qu'il soit le lampe-flambe de cette réalisation, la mise en œuvre soit mise à son temps. Nous sommes derrière lui, on le supporte et nous sommes là, le vrai soldat de la République. Nous sommes derrière lui. Je suis Barry Mugitaba, directeur du stade général Lansana Conte de Nongon, vice-président de la Fédération guinéenne des sports scolaires. D'abord, par rapport à la visite, ce n'est pas une première. Hein. Il est allé dans beaucoup de pays. Le président était en Russie récemment, vous avez vu, aux Nations Unies. Et il était au Rwanda. Et la Guinée est convoitée aujourd'hui. La Guinée est sur la scène internationale. Vous savez, ça fait partie des priorités du CNRD, le repositionnement de la Guinée. Aujourd'hui, c'est sans commentaire. La Guinée est vue partout. Donc nous sommes là aujourd'hui encore, c'est pour accueillir ce président. C'est notre ami, c'est notre frère, c'est notre compatriote, il est le président de la République, c'est notre génération. C'est tout à fait normal qu'on lui apporte notre soutien total. Total, je vous dis encore une fois, je suis là avec mes collègues directeurs, mes collègues de travail, tout le monde, l'administration, le peuple, tout le monde est mobilisé aujourd'hui pour venir soutenir ce président qui a démontré à la face du monde que la Guinée est un pays respectable, la Guinée est un pays qu'il faut vraiment considérer et que les jeunes sont capables de prendre leur destin en main. Je me nomme M. Kourouma Mandjou. D'abord, je suis là ce matin au nom de ressortissants et amis de Kankankoura. Alors, ce sont des jeunes qui sont prêts aujourd'hui à prendre leur destin en main. Alors c'est pourquoi ce matin nous sommes avec le président au nom d'un jeune qui vient aussi de notre contrée qui est Seiba, au nom de son grand frère aîné Bill Condé et au nom propre de son excellence général Mamadi Doumbouya ici pour faire l'appel, pour venir l'accueillir, pour leur donner un chaleureux accueil jamais vu. Parce que vous avez vu tout ce monde, alors nous allons montrer que nous sommes dans son esprit et pour un développement net de la Guinée. C'est quoi le mouvement Atewala? Le mouvement Atewala, cela veut dire que c'est un mouvement ici des jeunes clairvoyants pour dire que il ne bougera pas. C'est ça la tradition directe. Hein? Nous sommes d'accord. Alors, pourquoi? Nous allons lui faire un appui par rapport au développement. Vous constaterez que nous avons ici l'énergie. Vous constaterez que nous avons de l'eau. Et vous constaterez qu'il y a l'amélioration d'ici et là, des conditions de vie du peuple. Alors nous allons l'accompagner. C'est à lui de nous éclairer devant. Sinon nous sommes prêts à rester dans son réseau. On n'a pas dit que nous allons être en avant du Doumbouya, mais nous allons être derrière, avec lui et pour lui, pour l'accompagner dans son destin. Pour le vous savez, le slogan Atewala ici, c'est pour dire qu'il ne bougera point. Ça, c'est le français. Il ne bougera point. Alors, mais ça dépend de lui. On n'a pas dit, on n'oblige pas. Ça dépend de lui. S'il dit qu'il va aller, nous allons l'accompagner. Alors, nous sommes là pour la Guinée. Nous sommes des Guinéens aussi. Il est Guinéen. Vous êtes Guinéen. Et nous tous, nous sommes des Guinéens. Nous sommes là pour le bien-être. Alors, le développement, c'est tout. C'est tous ses fils. Alors, nous sommes prêts pour l'accompagner. D'ici jusqu'à l'au-delà. Et je laisse la parole à... Le dernier message, c'est quoi? C'est-à-dire que de voir la patrie, de voir la nation, de voir l'intérêt du peuple, de voir l'intérêt de la Guinée et d'être intransigeant et d'être dans, comme il est dans ses bottes comme un militaire, un général, il doit être aussi dans ses bottes pour prendre des décisions,
pour le bien. Ce n'est pas seulement lui, mais c'est toute la Guinée. Et nous sommes là pour l'accompagner parce que nous sommes des Guinéens lambda pour le développement de notre pays. Et je laisserai la parole à mon cher. C'est Dr Sangaré Sekouba. Je suis le président des jeunes ressortissants de Cancan et Ami à Conakry. Et nous sommes là ce jour. Vous êtes l'initiateur du mouvement à Téouala. Quelle est votre motivation? Qu'est-ce que vous voulez exprimer là-bas comme message? C'est le mouvement à Téouala, cela veut dire que le mouvement il ne bougera pas. Vous voyez déjà l'engouement autour de son accueil. Vous voyez, parce qu'on a dit la démocratie c'est le peuple. Et vous voyez comment le peuple est mobilisé. On fera tout pour que Doumbouya puisse aller de l'avant et on l'accompagnera là où il veut aller. C'est à cause de ça qu'on est là ce soir pour l'accueillir au nom du peuple. Et à cause de tout ce qu'il a fait, quand vous voyez la rapidité des projets depuis qu'il est en place, quand vous voyez l'amélioration de la desserte en électricité, quand vous voyez les projets à venir, le projet Simandou qui engorge combien de jeunes aujourd'hui, c'est le président des jeunes et nous serons derrière lui jusqu'au bout. Sa visite en Chine, est-ce que vous avez constaté quelque chose là-bas qui peut être concret et bénéfique pour le peuple? Effectivement, c'est ce qui motive notre mobilisation pour l'accueillir. Quand vous prenez le projet Simandou, c'est le projet phare, le projet qui est en train d'employer des milliers de jeunes dont j'ai fait partie. Il a boosté le développement, il va booster le développement en termes de train Trans-Guinée. C'est à cause de ça qu'on veut l'accompagner jusqu'au bout. Ah. C'est Elijah Moussa Camara, président du conseil de quartier de la Sanéa. Monsieur Camara, vous êtes à l'aéroport cet après-midi. Quelles sont les raisons de votre déplacement? Mon raison de votre déplacement, vous savez que la Guinée elle est unie. Et puis, pourquoi ça m'a motivé aujourd'hui d'être là avec toutes les contrées, la commune Tombolia et les quartiers? Parce qu'on a vu notre président, général Mamadi Doumbouya, ce qui est en train d'entreprendre dans la Guinée, dans le monde. Ça nous fait un grand plaisir pour nous. On est très content, très très content. Ok, la commune de Tombolia, c'est une nouvelle commune. Qu'est-ce que vous m'avez dit au président d'accompagner cette commune? Vraiment, c'est une nouvelle commune. Vient de créer la commune. Je crois qu'il y a beaucoup d'anomalies qui restent à faire. Il faut vraiment une soutenance. Comme on sait que notre président de la République, général Mamadi Doumbouya, comme il est en train d'initier dans les différentes, dans la Guinée, pour travailler sur la rue et faire le bâtiment. Il nous soutient. On va appeler pour que vraiment ils viennent être des nouvelles communes. Votre dernier mot à l'endroit de la jeunesse guinéenne. Ce que je peux vous dire vraiment, la Guinée, c'est la paix. Nous, on sait que la paix. On va le soutenir notre président. Depuis que nous, on est guinéens, dès que vraiment un président monte, surtout celui qui travaille, comme on a vu. On va dire que la jeunesse, c'est notre président qui est là. Il a soutenu, il a considéré la jeunesse et que la jeunesse doit faire la paix et puis aider pour harmonie, pour vraiment, comment on peut dire ça, de faire la paix en Guinée. Ce que je peux vous dire comme conseiller et ce qu'il est en train d'entreprendre. Parce qu'on a vu qu'il a fait beaucoup de bitumage dans les rues, dans les communes, à Conakry. Et ne cache pas garder ça, ne pas gâter ça. Je veux garder ça. Tout ce que nous, on peut vraiment vous dire, on est avec lui parce qu'on a vu son idée. Il va aller vraiment en avant et on va le soutenir. On va le soutenir tant qu'il est là, on va le soutenir. Et vraiment, merci. On a vu aussi là-bas, en Chine, là-bas, ce qu'il a vraiment en talent. On a regardé la télé, on a vu. C'est vraiment une fierté pour les Guinéens. Vraiment, il est bien. Il est vraiment bien, on ne peut pas vraiment dire plus que de ça. On est avec vous, on est très content. Tout ce que je peux vous dire. Notre commune Tombolia, on veut que vraiment il nous soutenir pour que vraiment on aille en avant. La Guinée, et je souhaite que bonne santé pour Monsieur le Président et donc j'invite et vraiment du courage. Comme on a vu vraiment, c'est un président qui est très courageux. Et vraiment, c'est ça ce que je peux vous dire. Moi, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, monsieur. La Lamina. Vive la Guinée! Vive les femmes de la Guinée! Vive la jeunesse de la Guinée! Nous vaincrons! Mbara Alama Kandi, Gila Guinée Bori Bera Doumbouya Nam Fafé Beye Lande, Alara Lououm Bébé! Alara Lououm Bébé! Général Doumbouya Baranaran Naba, quel fait à Baranara Doro, Wontana Kolo? Wongbata Fema Min Fema! Womin Se Fempe!
bafé général Doumbouya Rafera. Abaramini, asika ko contrat fe ne wombe wona tori. Alhamdulillah rabbil alamin. Nakambini na bafé iki, ara bafé la Guinée boki die nanga pera. Amura bafé Doumbouya kabe. Ara bafé wontanambe, ara bafé womadie nambe. Ndeno ma fala de to Doumbouya mu waliki. Ndeno ma fala de to Doumbouya mu labtani tiri. Ndeno ma fala de to Doumbouya mu ekol tiri. Ndeno ma fala de to Doumbouya mu kina waliki. Awa Doumbouya mu kuna bébé commune de Tombolia. Kinira. Commune de Tombolia. A population Kinira. Moubara ala makandi ala riso la Guinée beheri ala riso beheri mara la ngina ganna bariki namura ba ma birimbe awa mukune fora han yoto